Moi, la photographie a été le seul moyen que j'ai trouvé pour conserver la mémoire collective de mon pays. J'ai essayé avec mon éditeur de vous montrer ou de donner le maximum de rendu de ce que moi j'ai vu depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. La photographie est le seul moyen pour moi de ne pas tomber en amnésie ou pour moi de pouvoir montrer aux autres gens ce qui se passe au quotidien dans un pays. Il s'agit d'images de violations de droits humains, d'images de joie, d'images d'élections, d'images de fêtes, d'images de déception et d'images de crimes. Mais je n'ai eu aucun autre choix que de moi de prendre ça en photo et de le partager avec mes compatriotes, mais aussi avec le monde entier. Dans mon travail, l'urgence ou la nécessité est d'être partout, tout le temps, ce qui n'est pas possible. L'autre nécessité est celle de ne pas tomber dans le cliché ou dans le jugement primaire de celui qui va voir la photo. Le choix du noir et blanc a été celui de gommer toutes les couleurs des partis politiques pour que les gens aillent chercher dans le sujet qu'est-ce qui se passe, qui il est, où était-ce. La meilleure façon pour moi de faire des photos, c'est d'être au contact des gens. C'est d'être dans cette confrontation de bouger pour être juste en face ou à côté de la personne qui, elle, pose l'acte que moi, je dois prendre en photo. Je ne peux pas prendre la photo à distance. À distance, ça me dérange. La photo ne sera jamais belle parce que j'aurai peur moi-même puisque je serai réfugié derrière mon objectif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand les gens posent leurs actes politiques et que font leur exercice démocratique, et que moi je prends la photo, je suis dans mon exercice démocratique. Et c'est pour ça que je ne vote pas. Parce que je prends tellement de photos que je vote tous les jours. Pour moi, la photographie est juste un prétexte. C'est un prétexte pour dire des choses, pour ne pas me taire, pour ne pas disparaître, pour ne pas participer, pour pas que les gens oublient. C'est juste un prétexte. Je dis souvent que je ne suis pas photographe, mais mes amis en rient. Mais c'est juste un acte politique, c'est un vote démocratique. Et j'espère que ça pourra servir aux autres, ou à moi ou à mes enfants.